Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors là, je vais vous présenter un album que j'ai réalisé conjointement avec Michel Fieu, dont la chaîne YouTube, vous la connaissez sûrement, sinon c'est Michel Fieu, F-I-E-U. Voilà, nous avons fait ça cet été, ça a pris un peu de temps à le finir parce que entre les occupations de l'une, de l'autre, la disponibilité des unes et des autres, eh ben, on a pris un peu de retard. Et voilà, donc je vous filme ma version et il n'y a pas beaucoup de différence avec la version qu'a faite Michel. J'ai fait ça cet été, donc au mois d'août, quand je vous ai montré l'album, enfin comment on fait avec la soft clay, avec la pâte, les moules de la boutique Scrap for Love. Donc là, c'est une autre version. Et donc là, c'est une très très belle tranche. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est fait maison, c'est en relief. Et derrière, vous avez juste deux images de la collection. Voilà, avec le bois. Donc c'est la collection Farmhouse Garden de Ciao Bella. Vous savez que je suis fan de Ciao Bella, j'adore. Et on avait décidé avec Michel de le faire ensemble. Donc c'est fermé avec un lien doré, marron clair. Ici vous avez des papillons. Il y en a plein dans la collection. Donc en 3D sur une tranche. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Vous avez un premier espace carte, un deuxième espace carte. Et ici, vous avez une grande carte avec deux possibilités d'espace photo. Donc un grand espace et une jolie feuille 20-20 de la collection. Et ici, vous avez une très jolie pochette, un petit tampon qui passe partout. Ici vous avez donc le premier bloc s'ouvre comme ça, s'ouvre par la porte avec le joli chien et son tournesol. Deux espaces photos. Ici vous avez une petite carte de la collection Maté pour tenir le rabat avec un espace photo ici. Ici vous avez une carte. Et là, vous avez donc un espace photo que vous pouvez mettre une photo ici, pareil. Ensuite, donc ici, on ouvre, on va vers le haut. Et là, vous avez une carte, un espace de carte. Ici, vous avez une autre carte ici. Et là, on a voulu favoriser juste une décoration. De faire un grand espace de superposition de différentes choses de la collection. Et ici, des cartes. Donc deux espaces photos. Alors c'est le seul endroit où je me suis servi de ce vert que je n'aime pas. Je me suis trompée en choisissant les couleurs. Et franchement, c'est pas très heureux. Donc je ne fais après qu'en jaune. Parfois on se trompe. Hein. Ensuite. Ici, vous avez une ouverture comme ceci, une ouverture comme ça. Donc, deux espaces photos dans le papier de la collection. Ici, vous avez un papier vert, mais bon, là, ça choque beaucoup moins. Et là, vous avez une jolie carte avec un espace photo derrière. Donc là, vous avez le petit chaton qui joue avec les papillons. Et c'est une très jolie carte. Évidemment, on peut mettre une photo derrière, c'est pas collé. Cet album est fait sans tuto, juste pour le plaisir. Le papier, j'ai acheté forcément à la boutique Scrap for Love, et cet album est disponible à la vente. Donc ici, on ouvre. Vous avez un espace photo ici. On ouvre de ce côté et on ouvre de ce côté. Ensuite, ici, vous avez un joli chien et vous avez espace photo en haut et en bas. Et ici, pareil, une carte amovible. Comme ceci. Ce qui est joli, c'est la composition. Et là, vous avez donc
une cascade, pas décalée justement, bien bien droite. Joli. Là, on peut mettre une photo. Et là, vous avez une jolie bande qui finit bien l'album. Ici, pareil, une carte photo, un espace photo et une carte où vous pouvez mettre des photos. Donc, je ne sais plus comment on ferme. Non, c'est en dessous. Et ça, c'est au-dessus. Voilà. Donc, ça se fait en trois parties. Ici, on a une page très originale qui nous a beaucoup plu à faire. Donc là, c'est accroché juste comme ça. Donc ici, vous avez une pochette avec une carte, avec une superposition ici, avec des feuilles. C'est Maddy, une copine de Scrap Enemy, qui m'en avait envoyé. Mais voilà, j'en ai fait bon usage. Et ici, vous avez des cartes. Et là, vous avez une grande carte. Donc là, vous voyez, vous avez une grande carte qui va jusqu'au fond. Et quand on la sort, en fait, vous avez trois espaces photos. Et ici, sur le côté, vous avez le petit chien qui sort. Et là, vous avez le rabat, comme ça. Donc, c'est comme un grillage. On a gardé l'idée de la palissade. Enfin bon, c'est un peu amusé pour faire la composition, que ce soit joli. Un peu original. Ici, vous avez le petit chiot avec le papillon. Donc là, pareil, deux espaces photos. Ici, vous avez une double pochette avec une carte et deux tags de la collection. Et ici, on a une cascade décalée, mais qui s'ouvre dans ce sens pour respecter le papier qui est en dessous. Parce que si on avait fait la cascade dans l'autre sens, on coupait là-dedans. Donc, en fait, on a respecté le papier en faisant une cascade comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup ce papier. C'est très, très beau. Il est très, très lumineux. J'aime beaucoup cette collection. On s'est régalé à le faire. Voilà, ici vous avez toutes les pages principales, on les a essayé de les travailler en les respectant. Pareil, là vous avez un espace photo. Ici vous avez une petite porte avec une carte. On a travaillé avec la collection, avec les deux collections 30-30, la pattern et la secondaire, et le A4. Voilà, donc là, vous avez juste un petit découpage pour tenir la carte. Et une carte ici. Et évidemment, vous avez aussi un emplacement photo possible ici. Voilà, comme ceci. Et on ferme comme ça. Alors là, c'est petit chat. Une fois, on avait les chiens, une fois, on avait les chats. Là, un espace qui s'ouvre vers le bas. Un espace qui s'ouvre vers le haut. Et là, vous avez la carte qui se colle. Il y a des aimants et c'est la carte qui tient le tout. Donc là, vous avez un carré qui s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Et là, vous avez un espace photo. Donc là, vous avez un système où vous avez plein de photos. Donc, une fois comme ça. Et on termine comme ça. Et on tient. Vous avez un espace photo derrière cette carte aussi. Donc là, il y a plein de photos et c'est très très lumineux, c'est très clair, c'est très... Pour les photos de fin d'été ou les photos d'été que vous avez fait développer. Voilà. Et alors là, on s'est lâché sur cette dernière page. C'est celle que je préfère, évidemment. Alors, d'abord, on va vers le haut. Donc, un espace photo ici. Ensuite, on va vers le bas. Un espace photo ici. Ensuite, on retourne vers le haut, on revient vers le bas, on ouvre comme ceci. Donc là, espace photo, hein, et là, on a une cascade. On a une cascade décalée, et au fond, on a une carte, avec les petits chats. Bon, c'est quand elle veut la carte, elle vient, elle est restée collée.
Je sais pas pourquoi ça colle là. Moi, je regarderai. Voilà, donc vous avez une carte ici et vous avez la cascade décalée entre le noir et le blanc. Donc là, ça se ferme comme ceci. Et là, vous avez un petit mot ici et un petit mot là. Donc en fait, vous avez un espace photo ici. On peut mettre une photo aussi ici. Hein, donc, je n'ai pas compté les photos qu'il y a dans celui-là, mais il y en a beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Je trouve qu'elle est très harmonieuse. Et là, vous avez la page, la dernière page, qui est comme ceci. Vous avez, pareil, les grandes cartes de la collection, les cartes carrées qu'on a exploitées. Et le noir qui ne nous plaisait pas beaucoup, mais il faut bien le travailler. Et là, pareil, vous avez deux espaces photos avec une grande pochette. Bon, évidemment, vous pouvez rajouter des photos. Et vous avez... Voilà, un très bel album avec environ... on va recompter ensemble. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 et 15. Donc là, il y en a 15. Ici, il faut fermer ça d'abord. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, il y a 24 photos. On est déjà à 24 photos. 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Voilà, je compte large. Donc, on est à 49. 50. 51. 52. 53, 54. 55, 56. 57, 58, 59, 60. 60. 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, eh ben, on va arriver à 80, 76, 77, 78, 79, 80. Donc voilà, c'est un album qui contient 80 espaces photos, qui est assez gros, donc, comme vous pouvez le voir. Il se termine par un nœud. Qui est travaillé donc sur la base craft. Et qui est disponible, voilà, si ça intéresse quelqu'un, vous me contactez, mes coordonnées sont en bas de la description, vous cliquez sur suivant, et vous avez tout le matériel utilisé, les coordonnées pour me joindre, etc., etc. Voilà, j'espère que cet album vous plaît, nous avons eu beaucoup plaisir à le réaliser ensemble, c'était notre petite récréation du mois d'août. Michel a eu du mal à le terminer parce qu'elle était très très occupée, donc c'est pour ça que on vous l'a pas montré plus tôt. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.